Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Doom pour le niveau 3 de l'épisode 1 en notre tour. C'est ça, notre tour. Alors, oui, donc on a vu que dans les deux premiers épisodes, il n'y avait pas vraiment de changement avec le niveau trop jeune pour mourir. Donc ça va être l'occasion de voir si en augmentant de niveau, les différences apparaissent ou non. Bon bah, écoutez, en tout cas, à l'entrée du truc, il n'y a aucun changement. Vraiment aucun du tout. Donc, on va voir s'il y en a un petit peu plus loin. Y a-t-il un méchant ici? Oui, il y en a un, mais pas là pour le moment. Donc ici nous avons toujours seulement lui. Ici nous en avons combien? Donc là je ne sais pas si vous avez reconnu, mais vous souvenez que à la fin là, dans la fin secrète, on entre dans cette pièce là. Je sais pas si vous l'avez reconnu. Ici là ça s'ouvre et c'est par là qu'on entre. Et là derrière ce mur là on a le monstre rose. Et là ce sont les murs qui s'ouvrent lorsqu'on entre dans la pièce. Je sais pas si vous avez reconnu. En tout cas, il m'a fallu un bon moment. Au début, je rentrais dans la pièce et tout, mais j'avais absolument pas compris que c'était cette pièce-là. Mais bon, en même temps, ça se voit quand même. Ça se voit pas mal. Alors, on va refaire comme en niveau facile. On va passer d'abord par ici. Donc, on n'a toujours aucun changement. On a le monstre marron et le soldat là-bas. Hop. On a le monstre marron en l'air que je laisse sans le tuer, toujours en gaspillant nos cartouches. Mais tu vas mourir, voilà, il est mort. Donc là, ne perdons pas les bonnes habitudes. On fait monter ça. Voilà. Et donc, on va chercher la clé bleue. On prend ça. Moi, je cours directement là parce que comme il y a des trucs qui explosent, là, je préfère les faire exploser. Voilà. Donc, on reprend le fusil. Et on vient s'occuper de... Hop. Avec un D apostrophe cette fois. On va s'occuper de toi. Voilà, c'est bon. Là, on a la clé bleue. On n'a plus rien à faire ici. On ressort. Or, pareil, le coup du... Non, c'est trop près du bord. Le coup du j'éteins les lumières quand tu récupères la clé, ils aiment bien. Voilà, on regarde si on peut pas le tuer par là. Non, bon, ouais, c'est pas grave. On va le tuer par là. On fait exploser ça. On fait exploser ça pour tuer celui-là. Et ça pour faire exploser celui-là. Mais non, bien sûr, il s'est avancé, donc il n'explose pas. C'est pas grave, on continue. Pour l'instant, il y a exactement le même nombre de méchants. En fait, ça va être exactement le même, mais en plus rapide. C'est bizarre. Hein, oui, en plus rapide parce que je vais doucement dans les premiers pour que vous ayez le temps de tout voir. Mais là, après... Quand on augmente de niveau, je vais plus vite parce que vous connaissez déjà les trucs en fait. J'explique moins les endroits où on va, tout ça. Et je cours plus. Donc là, c'est bon. On a plein de santé. Et on se dépêche d'aller dans celui-ci. Alors, toujours qu'un seul monstre marron. Bon bah, tant mieux. Je fais quand même le tour pour être sûr qu'il n'y en ait pas parce que si on prend cette grosse arme et qu'il y a un autre monstre, et bah... Ah ! Et bah, comment dire que on va se servir de cette arme par réflexe pour lui échapper, et on va s'exploser en même temps que lui. Et c'est très moyen. C'est très très moyen. C'est une arme qui blesse beaucoup si on tire de près avec, donc il vaut mieux tirer de loin. Et en l'occurrence, un tout petit espace comme ça dans le poison, ça ne prête pas vraiment à tirer de loin.
Donc là, c'est pareil, on va passer par l'épisode 9, le niveau secret, pour le faire dans toutes les difficultés. Honnêtement, mon nightmare, étant donné qu'il faut passer dans le poison dans ce niveau secret, je vais peut-être y réfléchir à deux fois avant de le faire. Je sais pas. Je vous dis je sais pas à chaque fois, mais il y a bien un moment où je le ferai plus parce que je pourrais pas. Donc, où es-tu? Tu es allé te réfugier avec tes amis les méchants. Vers le haut, c'est une plus petite arme, et vers le bas, c'est une plus grosse arme. J'ai un mal fou avec ça, je m'en souviens jamais. Oh, c'est terrible. On va exploser ça, et on a tué combien là? Pas tous. Avaient survécu à l'explosion. Combien d'entre vous ont survécu à l'explosion? Un seul. Bon, bah c'est bon. Donc là, on récupère. Hop là, boum, on récupère. Tous les items, hop, 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 on ressort, on va dans ce secret là qui s'est ouvert, on tue le grand méchant qui est là-haut, on se pousse, oh. On explose ceci, pourquoi je l'explose, il n'y a plus de méchants, les santé, on a tout, oui ça sert à rien que je l'explose, ils sont tous morts, et on avait déjà récupéré la scie. Bah oui, on a fait le secret avec la scie dans le niveau 2. Effectivement. Dans les secrets, il n'y a pas de nouveaux monstres. Hein. Pas de nouveaux monstres. Bon, ah, d'accord. On va prendre la mitraillette. La mitraillette. Voilà, on a la mitraillette. Alors, on ressort. Et on va à la fin secrète. Là, on évite de sauter pour ne pas se blesser, bien sûr. Je ne sais pas si on se blesse en sautant, mais je sais pas. On aura certainement l'occasion d'essayer un jour. Ah oui, remarque, on va récupérer toutes ces petites cartouches, parce que comme j'utilise le petit, il nous faut remonter un petit peu nos réserves. Là, c'est vers le haut, là, en dessous. J'allais prendre la grosse arme, c'était pas bon ça. Ah bah, en autre tourouf, il n'y a pas de nouveaux méchants, ici. Tant pis. Hop, là, il faut qu'on monte là-haut, en faisant très attention. On l'a eu. On fait demi-tour. Et on finit le niveau. Oui, on a réussi. Bon bah, il n'y a toujours aucun changement. C'est absolument pas à quoi c'est fou, mais comment ça se fait? C'est très bizarre. Je m'explique. Bon, et bah du coup, j'espère que cet épisode un petit peu accéléré vous aura plu. Et je vous dis bah, à tout de suite, à très très bientôt pour la difficulté supérieure. Alors attendez. Notre tour. À bientôt, portez-vous bien!